tous. Donc je vais vous parler, oui, justement, de certaines plantes qu'on appelle les mauvaises herbes. Et je vais faire un tout petit préalable pour vous expliquer pourquoi ces plantes que vous appelez mauvaises herbes, en fait, elles sont très intéressantes. Et puis après, on verra une dizaine de plantes, justement. Je ne parlerai pas des plantes des endroits où ça va mal. Je vous fais présenter une dizaine de plantes qui nous disent que les sols sont vivants et en bonne santé. Pourquoi on peut dire que des plantes sont bioindicatrices de ce qui se passe aussi bien dans le sol que dans l'environnement d'ailleurs? Parce que là, c'est un projet en cours qui va bientôt être publié. Donc les plantes indicatrices de l'état de l'environnement, non pas simplement de l'état du sol. Donc il y a 150 millions d'années, le passage des fougères préspermatiques au phanérogame gymnosperme s'est très mal passé. Les graines, quand elles qui se mettent à germer au sommet de l'arbre, c'est une catastrophe. Ça s'est tellement mal passé que cette fameuse lignée qu'on a appelée les gynécophytes, il en reste un seul, tous les autres sont éteints, il ne reste plus que le gynéco biloba, l'arbre aux écus. Par contre, ce passage des gynécophytes aux conifères a fait apparaître ce phénomène qu'on appelle la dormance. C'est-à-dire qu'au moment où l'ovule féconde au moment où le pollen féconde l'ovule, l'ovule entre en dormance. Et c'est l'apparition de la graine. Rendez-vous compte, avant, il y a 150 millions d'années, la graine n'existait pas. Elle est très récente dans l'évolution de la planète. La graine est apparue hier. Et qui dit pas de graine, dit pas de possibilité de faire de stock de graines, non plus de possibilité de casser la graine. Donc, c'était quand même un phénomène capital dans l'évolution du végétal comme dans l'évolution de l'animal. Alors, donc au moment où le pollen féconde l'ovule, la graine entre en dormance. Mais en fait, la plante, quand elle a produit sa graine, elle ne s'est encore pas reproduite réellement. Quelle est la reproduction réelle des plantes? C'est la levée de dormance. C'est quand la germination se débloque et se produit. Donc, on peut aussi essayer de tordre le cou à une idée reçue, de semer des graines. Depuis 150 millions d'années, ça n'a jamais fait pousser des plantes. Qu'est-ce qui fait pousser les plantes? Ce sont les levées de dormance. Et donc, depuis 150 millions d'années, toutes les plantes, l'évolution a fait que ces critères de levée de dormance se sont énormément diversifiés et complexifiés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on a 7000 espèces de plantes, c'est 7000 critères ou combinaisons de critères de levée de dormance. Et si on arrive à décoder les critères de levée de dormance, eh ben, on arrive à savoir ce qui se passe dans notre sol ou dans notre environnement. Si la plante qui est poussée ici, c'est le blocage du phosphore qui lève la dormance, eh bien, quand je vois cette plante, je sais que autour de cette plante, pas forcément 20 cm à droite ou 20 cm à gauche, mais là où la graine a germé, c'est que le phosphore était bloqué. Si c'est une plante qui va pousser dans de la matière organique, et justement ce sont les acides organiques stables qui vont lever la dormance, eh bien, je sais quand je vois cette plante qu'à cet endroit-là, au moins, là où est la plante, j'ai de la matière organique stable. Donc, par les plantes, on peut repartir en sens inverse et par les critères de levée de dormance, faire des diagnostics de sol, faire des analyses de sol, savoir ce qui se passe dans le sol. Et ça, c'est un paramètre qui a été laissé complètement de côté, aussi bien par l'agronomie que par la botanique, et notamment une branche de la botanique qui utilise énormément la dormance, parce que c'est la raison d'être des différents biotopes, qui est la phytosociologie, c'est-à-dire les associations de plantes entre elles.
Mais chaque graine, donc, elle va lever la dormance parce que dans son environnement immédiat, il y a ces conditions de levée de dormance. Il y a des conditions qui correspondent à ce qu'il y a décrit dans sa génétique. Mais ça ne veut pas dire que si vous voyez un pied d'ortie au milieu d'une parcelle de 10 hectares de prairie permanente, l'ortie est indicatrice pour ce qui se passe dans toute la parcelle. Généralement, quand vous avez un mètre carré d'ortie au milieu d'une parcelle de 10 hectares de prairie permanente ou de prairie de fauche, ben c'est que vous allez trouver une dent de pirouette cassée ou une pièce de machine cassée qui se trouve enterrée dans cet endroit-là. Donc c'est valable pour l'endroit où pousse la plante. Donc pour pouvoir faire vraiment des analyses de sol et des diagnostics, il faut non seulement tenir compte de l'espèce, mais il faut tenir compte de la répartition et de la densité des espèces. Ça, c'est la méthodologie que j'ai mise au point pour faire des analyses de sol par les plantes. Alors, j'ai aussi fait un diagramme justement de la colonisation des sols par rapport aux plantes qui poussent. Là, c'est la plante qui est au sommet de la pyramide, ça. C'est-à-dire dans la zone où il y a 4-5% de matière organique dans le sol et des matières organiques assez solubles qui vont se solubiliser très facilement. Et notamment, quand il y a minéralisation et nitrification, ça va lever la dormance de cette espèce qui, dans la nature, son rôle, c'est de réorganiser l'azote, de la mettre sous forme organique non lessivable. Donc elle va permettre non seulement de stocker du carbone, mais aussi de stocker de l'azote non lessivable qui va tenir au lessivage et aux érosions. Donc le mouron blanc. Hein. Et puis, pour les gourmets en passant, ça fait une excellente salade. Alors, il y a un échantillonnage de plantes, hein, aussi bien des cultures, hein, comme le mouron blanc qui est une plante de culture, que des prairies. Quand vous commencez à avoir... les prairies, elles sont énormément... La flore des prairies, notamment des prairies permanentes, est beaucoup tributaire de la dominante de l'azote ou de la dominante du carbone dans le sol. Et justement, quand on a une bonne matière organique qui a un C sur N assez équilibré, eh bien, vous allez avoir des plantes comme le lotier corniculé qui vont apparaître. Et c'est aussi des plantes qui stockent beaucoup de matières nutritives dans les racines, dans les tiges, dans les graines, et qui sont très nutritives pour le bétail, mais aussi qui vont faire des stocks de matières pour le sol. C'est aussi une plante qui serait très intéressante à mettre dans les couverts pour justement faire du stock de matières nutritives. Alors, celle-ci, qui est classée dans les bons indicateurs, en réalité, vient sur un sol qui était en anaérobiose, très peu de vie microbienne anaérobie, asphyxiée, et le jour où la vie revient dans le sol, où ce sol redevient vivant, c'est la première espèce pionnière qui apparaît lorsque la vie microbienne aérobie commence à se redévelopper. Donc c'est le plantain lancéolé, hein, qui est un antihistaminique, donc qui fait baisser la température, donc qui calme le jeu. Quoi. Si la machine s'est un peu emballée, ça calme le jeu. C'est pas pour rien qu'il pousse au moment où le sol redevient vivant. Hein.
Donc là, on a une luzerne, Medicago arabica, la luzerne tachetée, ou luzerne arabique. Généralement, la luzerne cultivée est une calcicole, c'est-à-dire que vous la trouverez dans les sols, à l'état naturel, sauvage, dans les sols à pH élevé, des pH supérieurs à 7,5, 8, pour la trouver à l'état sauvage. Ce qui explique aussi pourquoi elle est difficile à cultiver dans les zones décalcifiées ou dans les zones où il n'y a pas beaucoup de calcaire actif. Celle-ci est complètement indépendante du pH ou du taux de calcaire actif dans le sol. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la matière organique stable. Ça, c'est pour les maraîchers, quand vous avez l'apparition de cette espèce qui va germer dans vos cultures, c'est signe que vous êtes au taquet pour la matière organique dans les sols. Plus, vous pourriez avoir des problèmes. Donc, c'est un très bon indicateur qu'on a fait le plein, quoi. Donc, c'est bon. Et de la bonne matière organique, en plus, qui marche bien. Et en plus, c'est aussi une plante qui fait des stocks et qui peut nous servir comme plante de stockage dans les couverts vivants ou un très bon fourrage pour les animaux aussi. Vous voyez, souvent les plantes qui sont des très bons fourrages pour les animaux sont aussi des très bonnes plantes pour faire du stockage dans les couverts vivants. Alors il y a deux grands indicateurs des sols qui arrivent proches de l'engorgement, hein, carrément. En prairie, le pissenlit, Taraxacum officinal, et en culture, le fumeterre, Fumaria officinalis. Il y a d'autres fumeterres qui sont plus liés après aux conditions climatiques du sud de la France, ou au pH, et ainsi de suite. Lui, il est assez insensible au pH. Ce qui lève la dormance de la plante dans le sol, généralement, nous indique quelle est l'action de la plante sur le sol, et même, on peut aller même beaucoup plus loin, quelle est l'action de cette plante si elle est ingérée par un animal ou par un homme. Ces plantes, le fumeterre qui est dans les sols qui sont à la limite de l'engorgement, qui peuvent basculer dans une anaérobiose justement, va stimuler les micro-organismes, ce qui va permettre à ce sol de rester vivant. Mais il nous indique aussi qu'on est limite au niveau de nos pratiques et qu'il va falloir recadrer un peu le système. Alors dans la famille des Géraniacées, on a deux grands genres, les érodiums, les becs de grue, qui sont à feuilles plus longues que larges, et les géraniums, qui sont à feuilles orbiculaires. Longueur sur largeur égale 1. Dans ces géraniums, il y a toute une échelle de la qualité de la matière organique. Le géranium de base, c'est le géranium Robert, géranium robertianum, qui va nous indiquer la présence d'une matière organique dure, peu soluble, celle qui, justement, par contre, va faire développer les champignons. On a un géranium, le géranium colombin, qui nous indique justement une matière organique stable, dont le césurène est équilibré. C'est bon. Et après, c'est le meilleur indicateur par rapport à la matière organique. Et puis après, on a d'autres géraniums qui nous indiquent que la,
la matière organique est beaucoup trop azotée, le géranium dissectum, le géranium disséqué. Et puis, après, on passe carrément dans le géranium à feuilles rondes, qui nous indique qu'on est en train de basculer dans les anaérobioses. Donc, on voit que même avec un seul genre, les espèces de genre forment une échelle qui peut nous permettre d'évaluer l'état de notre matière organique. Alors, en prairie permanente, on a un très très bon indicateur qui est la cnotie, hein, de la famille des. Alors maintenant, des caprifoliacées, avant c'était les dipsacacées, et qui est aussi un indicateur de l'équilibre de la prairie. C'est aussi un indicateur que le fourrage qui sera produit sur cette prairie va nous garder les animaux en bonne santé. Sur les plantes prairiales, on en a une sur trois qui est une bonne médicinale pour la vache qui mange l'herbe. À condition d'avoir de la biodiversité. Si on a 9 plantes, comme dans certaines prairies, du Haut-Doubs maintenant, il n'y a pas de plantes médicinales pour les vaches. Alors voilà une espèce qui porte souvent à confusion, qui est très décriée, le genre Rumex. Mais dans le genre Rumex, eh ben, tout le monde dit « Oh, les Rumex !» Mais dans le genre Rumex, il y a 60 espèces. Il y en a 59 qui indiquent des problèmes, et il y en a une qui indique l'équilibre. Donc, ce qui fait que quand on veut faire des diagnostics, faire des analyses par les plantes, il faut identifier les plantes précisément, quoi. Il ne faut pas se tromper. Alors, celle-ci, c'est la plante des très bonnes prairies, même à la limite de l'engorgement, mais qui sont les plus productives en quantité et en qualité de fourrage. Parce que pour moi, les expériences que j'ai faites, les observations que j'ai faites, la quantité et la qualité du fourrage sont proportionnelles. C'est-à-dire que à un certain moment, on a un optimum de quantité produite avec un optimum de qualité produite. Les tentatives de dépasser l'optimum de la prairie arrive toujours à une dégradation de la prairie, donc une baisse du rendement et surtout une baisse de la qualité de la prairie. Donc, et dans l'agriculture, c'est la même chose. Donc, cette plante-là, vraiment, une indicatrice des très bonnes prairies. Les meilleures prairies que j'ai fait des relevés botaniques, c'est à côté de Rouen, en Normandie, et qui était une prairie, justement, à grande oseille. Alors, voilà aussi une plante qui indique aussi un bon équilibre dans le sol, malgré qu'il désigne déjà un début d'asphyxie par son système racinaire qui est pivotant. Ce sont donc, la preuve, la racine est charnue et pivotante, puisqu'on la mange en légumes, mais c'est quand même une plante des très très bonnes prairies de la Croix, notamment, mais on en trouve sur toute la France, mais c'est aussi une plante des prairies qui donne les vaches en bonne santé. Alors dans les mauves, on a la même problématique que dans le géranium. Il y a plein de mauves différentes. Certaines vont nous indiquer des sols qui ont des excès d'azote et des excès de potasse, notamment, ou de la potasse trop soluble et qui va provoquer des désordres. Et il y a des mauves comme la mauve musquée qui est, elle, au contraire, indicatrice des bonnes matières organiques. En culture, un des meilleurs moyens de repérage de la quantité et de la qualité de vos matières organiques, c'est le genre Véronica, les Véroniques. Avec deux Véroniques principales, la Véronique à feuilles de lierre, qui nous indique qu'il y a des stocks de carbone
Ouais, excusez-moi. C'était la dernière. Et la Véronique de Perse, qui, elle, nous indique plutôt des sols riches en azote. Donc, on voit aussi qu'on peut évaluer le rapport C/N de votre matière organique par rapport simplement aux deux Véroniques. Et ça indique souvent aussi que les Véroniques sont sensibles à un bon développement des micro-organismes aérobies. Donc, c'est vraiment les sols qui fonctionnent très bien. Alors, il y a d'autres Véroniques, par contre, qui poussent dans des sols qui ne fonctionnent plus du tout. Voilà. Merci de votre attention.